Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Scam. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des milliardaires nigérians. Le Nigeria est connu pour abriter certains des entrepreneurs les plus prospères d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des personnes les plus riches du Nigeria. Numéro 10. Commençons notre liste avec Fifi et Kanem Ejindu. Avec une valeur nette de 850 millions de dollars. Fifi a créé son entreprise appelée Starcrest Group of Company et exerce des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, de la construction de bâtiments et de l'immobilier. Numéro 9. Au numéro 9, nous avons Orji Uzorkalu. Avec une valeur nette de 1 milliard de dollars. Il a commencé à vendre des meubles en gros et a utilisé une société holding appelée Slok. Slok a investi dans l'édition de journaux et possédait le Daily Sun et le New Telegraph. Slok est devenue une multinationale opérant dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée, l'Afrique du Sud, etc. Le secteur d'activité de Slok comprend une usine de papier, du pétrole, des banques et la production d'huile végétale et de compagnies aériennes. Numéro 8. Passons maintenant au numéro 8, Jimovia. Avec une valeur nette de 1 milliard de dollars. Il a lancé sa banque en mai 1990 et la banque Zenith a commencé ses activités en juillet 1990. Outre la banque, Jim est également techniquement avisé et président de Cyberspace Network Limited et de la Nigeria Software Development Initiative, NSDI. Numéro 7. En 7e position, nous avons Folorincho Alakija. Avec une valeur nette de 1 milliard de dollars. Sa richesse prouve le célèbre adage selon lequel ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire encore mieux. Elle a 69 ans et la source de sa richesse est le pétrole. Fanfa Oil, dont elle est la vice-présidente, est une société d'exploration pétrolière qui détient une participation dans un bloc pétrolier offshore inépuisable appelé Agbami Wellfield. Numéro 6. Au numéro 6, nous retrouvons Jimo Ibrahim. Avec une valeur nette de 1,1 milliard de dollars. Ces sociétés comprennent Nikon Insurance and Reinsurance, Nikon Luxury Hotel, Air Nigeria et Energy Bank à Accra au Ghana. Il détient 100% des actions de Sao Tome & Principe Energy Bank et est propriétaire de Global Media Mirror. Numéro 5. Passons maintenant au top 5 avec Tony Elumelu. Avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars. Il a commencé sa carrière bancaire à partir de la défunte Allstate Trust Bank détenue par Ebitimi Banigo et a gravi les échelons jusqu'au sommet. Il a ensuite dirigé un groupe pour acquérir la Standard Trust Bank de l'époque et l'a fusionné avec UBA en 2005. Il a transformé UBA et a ouvert des succursales dans 19 pays africains. Sa holding a des investissements dans UBA, Transcor, l'immobilier, l'énergie, l'agroalimentaire, les services financiers et l'hôtellerie. Numéro 4. Au numéro 4, nous avons Femi Otedola. Avec une valeur nette de 1,8 milliard de dollars. Il a gagné son argent grâce aux stations-service et aux activités de production d'électricité. Selon le rapport Forbes, il est le principal actionnaire de Fort Oil, une société cotée en bourse de commercialisation de pétrole et de production d'électricité. Numéro 3. En troisième position, nous retrouvons Mike Adnuga. Avec une valeur nette de 5,8 milliards de dollars. Sa principale source de richesse est la production pétrolière et les télécommunications. Si vous ne le savez pas, sa société possède Globacom, le troisième plus grand réseau GSM avec une base d'abonnés pouvant atteindre 43 millions. Numéro 2. Au numéro 2, nous avons Abdul Samad Rabiou. Avec une valeur nette de 6,5 milliards de dollars. Abdul Samad Rabiou a racheté Nigeria Oil Mills et est le principal actionnaire de BUA PLC, une société cotée en bourse. Après la fusion de la Cement Company of Northern Nigeria et de sa société privée appelée Obu, il détient désormais 98,5% des parts de BUA PLC. Numéro 1. La personne la plus riche du Nigeria est Aliko Dangote.
avec une valeur nette estimée à 12,1 milliards de dollars. Il a lancé une entreprise pour produire la nourriture que vous mangez et fabriquer un matériau de construction important. Les produits de son entreprise comprennent les pâtes Dangote, le sucre, la farine, le sel et le ciment. Toutes ces sociétés sont cotées en bourse à la bourse nigériane. Et ses participations dans celles-ci sont énormes. C'était le top 10 des personnes les plus riches du Nigeria. Ces individus ont réussi à atteindre des niveaux de richesse incroyables. Grâce à leur travail acharné, leur ingéniosité et leur esprit d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a été informative et divertissante. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre à l'avenir. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.